Dites, les toilettes. Est-ce que je suis vraiment obligée de venir avec vous au salon là, enfin un truc que vous avez. Twilight. Oui, c'est un salon très important pour les princesses et les princes. Hein, Shining? Ouais. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour vraiment important. Ouais, c'est jour de nachos! Du coup, on va manger tout plein de nachos en regardant Star Wars! Bon, continuons. Et tu es obligée maintenant, tu es une princesse. En plus, toutes les princesses y vont, c'est normal. C'est le salon spécial. Mais au moins, mes amis auraient pu m'accompagner. C'est trop nul maintenant. Allez, viens. On y va. Nachos. Oh, Shining. Quoi? Regarde. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? 5 euros, on peut s'acheter 3 autres choses avec. C'est trop cher. Mais enfin, tu sais bien que c'est un jour spécial. Le jour des nachos. Mais c'est pas possible. Je peux en avoir un, hein, s'il vous plaît. Oui. Merci. Tenez. Merci, passez une bonne journée. Cadence. Oh, désolé, on t'a pas attendu. C'est pas grave, mais tiens, je t'en ai pris un. Oh, merci. Oh, merci, Twilight. Ce sera pour accrocher dans ta chambre. Tu peux même le peindre si tu veux. Je le mets dans mon sac. Merci beaucoup. Vous venez, les filles? On arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous servir? C'est combien de personnes? Et combien de temps pour le congrès? 3 personnes et toute la journée. Mais le soir, on doit aller au Nacho, si tu t'en souviens. Toute la journée, Shining, c'est jusqu'à 18h. Ouais, mais Nacho, Shining, c'est jusqu'à 18h, point. Oui, toute la journée. Merci. Très bien, je vais vous chercher vos billets. Ne bougez pas. Voilà, voici vos tickets. Voici vos 3 billets. Merci. Cadence, tu dois dire un truc au monsieur, non? Oui. En effet. Pardon. Voilà, j'avais déjà réservé au nom de Princesse Cadence, Shining Amor, et Princesse Twilight Sparkle. Très bien, je vais vérifier dans mon ordinateur, d'accord? Ou, pardon, ne bougez pas, je reviens. C'est bon, vous pouvez entrer, j'ouvre la porte. Merci. D'ailleurs, regardez vos tickets, il y a des cœurs pour cette journée si spéciale. Oui, on sait, c'est la journée des nachos. Des quoi? Laissez tomber, monsieur, laissez tomber. Je vous expliquerai plus tard. Oh, d'accord. Suivant. Allons-y. Tu viens, Cadence? J'arrive. Ok. Bonjour, c'est pour 2 places pour mon amoureuse et moi, vu que c'est la Saint-Valentin. Ah, ma chérie. Oui. Alors, ce serait pour une de mes journées parce qu'après nous allons aller au lac et nous mangerons tout plein de. Oh. Bon, allons-y. Shining, est-ce que je peux te parler un peu? Oui. C'est à propos de cette journée. Tu crois vraiment que. Ben. Voilà, c'est. Je suis là! Que c'est quoi, Twilight? Rien. Laisse tomber. J'ai. Cadence? Oui. J'ai vu.
Princesse Adeline, elle est là? Oui, là-bas près du stand de hot dog. Des hot dogs, pourtant elle est origine. Enfin, va voir, va voir, va voir. Moi, je te dis qu'elle est là-bas. Allez hop, avance. D'accord, j'y vais passer. On se retrouvera où on se retrouvera. T'en fais pas. Ok. Princesse Adeline? Est-ce que je peux sérieusement te parler? Oui. Crois-tu vraiment que cette journée, c'est la journée des hot dogs? Ben ouais. Surtout que c'est des nachos. Hot dog, nachos, c'est la même chose. Non, en fait, le hot dog et le nacho sont constitués de... Shining, tais-toi. C'est la Saint-Valentin. D'accord. Mais dis pas que tu sais pas, c'est quoi? C'est la fête des amoureux! Shining! C'est la fête des amoureux. Donc, les couples qui sont ici ou n'importe où s'offrent des cadeaux. C'est le jour des amoureux. D'accord? Et toi, t'as encore rien offert. Je parie que Cadence voulait absolument un cadeau. Elle voulait simplement que tu lui montres que tu l'aimes. Point. Mais ça, non, tu l'as pas fait. Mais t'es sérieux là? Oh, tu me... Eww, Twilight! Quoi? Tu n'es pas obligé de me critiquer. Reste là, je reviens. Rarity! Twilight, est-ce que ça va? Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, écoute, vu qu'ici c'est le plus grand salon des... Enfin, des princesses et tout, il y a tout plein de personnes, j'en ai profité pour me faire mon petit marketing. Tu vois? Ouais, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Surtout avec ta couronne. Cadence voulait que je vienne avec elle et voilà quoi. Oh, bien. Alors, ça va? Tu m'avais l'air un peu en colère. Oui, c'est Shining. Quoi, Shining? Il a oublié la Saint-Valentin, il sait même pas c'est quoi. Il sait pas c'est quoi? Oh mon Dieu, darling. Il faut vraiment qu'on l'aide. Parce que sinon, je crois que... que quoi? Que Cadence va le larguer parce qu'a oublié la Saint-Valentin, oh mon Dieu. Quoi? Oh non. Ne t'en fais pas, Shining. C'est rien, c'est rien. Non, 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 elle va même larguer. Darling, calme-toi. Si tu m'écoutes et si tu écoutes ta sœur, elle ne te larguera pas. Par contre, si tu le fais pas, tu peux déjà faire tes valises. Mais non, je voulais pas. Je savais même pas c'était quoi la Saint-Valentin. S'il te plaît, dévoile. On va t'aider. T'en fais pas. Bon, c'est quoi le plan? Laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu veux faire un truc? Non, il lui a rien fait. Il savait même pas. Il croyait que c'était jour de la chose. C'est le jour de la chose. Dans ton monde, Shining. Là, on est dans le monde entier. Ah, eh bien, j'ai peut-être quelques articles dans mon carrosse. Je vais vérifier. Vous ne bougez pas? Non, non. Bon, je vais regarder. Alors, il faut vraiment que tu te reprennes en main. Elle était tellement déçue. Mais moi, je veux pas qu'elle me largue. Oh, t'en fais pas si tu lui offres des trucs et si tu changes un peu. Comment ça a changé? Mais tu oublies la Saint-Valentin. Et tu penses qu'à Star Wars, enfin, arrête d'être un geek. Un quoi? Laisse tomber. Bon, on doit essayer de te trouver des activités vraiment intéressantes que les filles aiment bien, genre la lecture. Non, toi, il dit, je ne te ressemble pas aux questions de ça. Et alors? Je ne sais pas, moi, tu aimes bien quoi, les jeux de société? Non, Berk. Donc, tu vas faire sur la mécanique? Non, ça fait trop macho. Je sais, tu vas être fort en échecs. En quoi? En échecs. Oh, j'ai trouvé un truc parfait. Vous êtes prêts à regarder? Oups. C'est une boîte de bijoux en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Je vous jure qu'elle va aimer. Je ne crois pas. Quoi? Tu ne connais pas ou quoi? Je suis sûre qu'elle va aimer, c'est scientifiquement prouvé. Je l'ai acheté ce matin. Non, parce que je lui ai acheté la même chose. Quoi? Sauf que moi, c'était un cadre à peindre et à accrocher dans sa chambre. Bon, on laisse tomber.
Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a pensé qu'il pourrait changer d'apparence, genre devenir fan d'échecs. Oh, les filles adorent ça, les mecs intelligents. Et surtout, très gentils. Et surtout, attentifs à elle. Parce que, excuse-moi, on peut pas dire que tu fais des choses importantes pour elle. Même moi, je t'aurais largué au premier coup d'œil. Oh. Alors que j'ai dû supporter un prince bien plus mal poli que toi. Oui, on n'oublie pas. Il faut que je lui trouve un truc, mais je sais pas ce qu'elle aime. Tu sais pas ce qu'elle aime? Mon Dieu, mais darling, t'as des sérieux problèmes, hein? Tu sais pas ce qu'aime ta copine. C'est pas comme si tu savais pas sa date d'anniversaire. Mon Dieu, je crois que j'ai défailli. Calmez-vous, calmez-vous. On va lui trouver un cadeau. Pourquoi pas ça? Hein? Quoi? Voilà, une pierre précieuse qui veut faire collier. Bonne idée, mais moi je n'y avais pas pensé. C'est sûr que le jaune c'est sa couleur. Mais ouais, t'en fais pas. Quoi? Elle est pas très bijou à part sa couronne. Eh oui, tu le crois peut-être, tu le sais. C'est le seul truc que je sais. Non, tu lui donneras ça, un point c'est tout. Laisse faire les filles. D'accord. Ah, oh, mais c'est honteux, comment ils peuvent pas connaître sa copine? Oh, chut! Salut tout le monde, salut Rarity. Princesse, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Ça va? Ah, j'adore votre sac. Oh, on devrait aller voir par là. Venez, venez, princesse. Mais pourquoi? Venez voir, juste venez voir mes articles dans mon carrosse, carrément. Vous allez être épatés. Waouh, j'avais jamais vu autant de. Voilà, je connais pas très très bien mon amoureuse. Tu la connais pas du tout, tu veux dire. Mais je vais choisir un truc. Tout seul, comme un grand. Ta-da! Des fleurs. Les trucs qui fanent en 2 jours. Et oh, c'est l'intention. Et je vais, au lieu d'aller voir Star Wars, je vais amener au clair de lune. Clair de lune. Mais c'est trop dépassé, il faut un truc nouveau, comme cette pierre précieuse. Mais non! Shining, tu te calmes ou quoi? Non, c'est pas ça qui lui fera plaisir. Écoute-moi, Twilight, c'est super important. Pourquoi tu changes de côté? Parce que je vais être plus grand. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais, je peux être agaçant, un peu beaucoup gamin quand on veut. Et je ne connais pas la date d'anniversaire de ma copine. Mais je savais même pas que c'était la Saint-Valentin. Moi, j'en savais rien, on m'a rien dit, on m'a jamais rien dit. Mais je sais, c'est qu'elle n'est pas bijou, point. D'accord? Elle n'aime pas les bijoux. Et puis ce soir, je vais lui offrir ces fleurs. D'ailleurs, ce ne sont pas des fleurs, ce sont aussi des bonbons dedans. Dans chaque pétale, il y a un petit cadeau. Et en plus, je comptais lui acheter une bague qui est dans les fleurs et je voulais l'emmener au clair de lune. Et j'ai pensé en 2 secondes d'abord. Donc, oui, je connais des fois ma copine. Oups. Oui, je la connais des fois. Mais je sais. Qu'elle aimera bien ça. Point. J'aime ma copine. Je l'aime à fond. Elle est tellement belle, intelligente. Et en plus quoi? Cadence. Tu sais, c'était pas vrai. Enfin. Oh, Shiny. Tu es tellement mignon. Je savais que. Oh, mais ne change pas, mon chéri. Je t'aime comme tu es. La Saint-Valentin, tu ne le savais même pas. Non. C'est pas grave. Écoute, ce soir, on va faire 2 trucs. Quoi? 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 On va manger des nachos. Hein? Tu vas m'offrir ma bague. Avec les fleurs. Ouais. On sera au clair de lune. Ouais. Et on regardera Star Wars. Ouais, merci ma chérie. Comme ça, chacun est content. Je t'aime tellement, Shiny. Et maintenant, je crois que tu l'as bien mérité. Oui. Ah, vous êtes trop mignons, vous deux. Oh, darling, c'était tellement beau.
on la ramène chez elle. Je crois, oui.